Moi aussi, j'ai bossé un petit peu. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais, mais bon, j'ai essayé de faire pour voir un peu les codes par rapport justement à ce qu'on a prévu d'acheter. Donc là, si tu veux, donc, ici, c'est un profilé donc, de 80 par 40. Donc tout le long, il y en a un de chaque côté. Donc ça fait pour que la vis va bien et les glissières, donc il y a 1180 de longueur. Ici c'est du 40-40, 600 de long. Ici par contre j'ai un petit ennui au niveau du palier de la vis à bille. Mais bon ça, il y aura moyen de s'arranger au pire avec un roulement. Donc là par contre c'est du 20 par 40. Donc là je mets des pieds 4 pieds parce que donc j'ai prévu la vis à bille au centre. Donc je vais enlever le plateau. Donc le plateau il est quand même assez grand. Donc on va l'enlever. Voilà. Donc là, mes cotes sont bonnes par rapport à la vis, la douille pour l'écrou de la vis à bille. Donc là, j'ai mis des plaques de profilé aluminium de 20 par 180. Celle du dessous, elle fait donc 700, 740 même. Donc celle-ci, 740 par 180 et 20 d'épaisseur. Là c'est pareil, c'est du 20 d'épaisseur, 180, ça fait 700. Donc la longueur des glissières. Qu'est-ce que je peux te dire autrement? Donc le Z, on a un déplacement de 160, je crois. J'ai triché un petit peu, j'ai réussi à mettre 160. Donc là c'est pareil, c'est du 20 par 180. Hauteur 500, je te l'ai peut-être dit, je sais plus. Alors ici j'ai prévu des plaques de 8. Donc ça j'en ai moi. 8 d'épaisseur, ça fait 130 ou 120. 120 par 300 mm. Donc comme les glissières, ils font 300. Donc voilà. Bon, autrement, bon pour l'instant, voilà. Si ça peut donner une petite idée ou... Voilà. Donc là, j'ai mis, tu vois, j'ai fait mon Z, là, parce que moi, je peux pas monter et descendre avec. Hein. Donc là, j'ai fait complètement descendu. Et là, complètement, donc, remonté. Par contre, là, j'ai pas encore mis les vis à bille, je les ai pas mises à l'intérieur. Mais bon, l'espèce de galet là pour le galet, mais pour mettre l'écrou de la vis à bille, il passe dedans. C'est bon. Donc là, toi, je l'ai dessiné ici. Donc voilà. Écoute, si tu veux m'appeler, il n'y a pas de souci. Tu m'envoies un petit message, tu vois. Si tu as besoin d'autres renseignements. Mais bon, par contre, j'arrive pas à ouvrir Fusion. J'ai bien accepté, j'ai rejoint un groupe et puis j'arrive pas. Ils disent que ça marche pas. Donc, tu m'expliqueras.